C'est une promesse que Dieu promet toujours à ses enfants. Pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, je veux vous dire que la consolation de Dieu n'est pas loin de vous. Dieu sait que vous souffrez, Dieu sait que vous avez des problèmes sérieux. Et ces problèmes, tu ne peux pas toi-même trouver solution. Si Jésus l'a fait pour l'autre, il le fera certainement aussi pour toi. Parce que la Bible elle-même dit, la consolation de Dieu dans notre misère. Et lorsque Dieu vient nous consoler, nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons dans la joie, parce que personne ne peut accepter la souffrance. Personne ne peut solliciter la souffrance. Nous sommes des humains et à chaque fois que nous traversons des moments très très difficiles, cela nous affaiblit. Notre corps se détériore. C'est comme si on avait du poison. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, Dieu promet de vous consoler. Dieu promet de vous essuyer les larmes. Dieu promet de faire de vous un peuple heureux, une famille heureuse, une famille où réside la paix. Ce que vous devez faire, vous devez prier. Prier avec exactitude et avec foi. Dire à Dieu que nous attendons toujours ta consolation. Comme tu nous as promis, nous sommes disponibles. Nous attendons ta consolation pour ma famille, pour mon frère, pour mon mari, pour ma vie. Et cela toujours au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Amen.